moi comment susciter la coopération. En plus, en ce moment, dans beaucoup d'entreprises, c'est le moment des entretiens annuels. Justement, Aurélie a le sien aujourd'hui. Elle m'a dit que ses résultats n'étaient pas exceptionnels ces derniers temps. Bon, elle dépose sa fille Steph au lycée et elle file à son travail. Ah, là je crois qu'elles sont au petit déjeuner. Maman, est-ce que pour mes 16 ans, je pourrais faire une fête dans la maison? Non mais c'est pas vrai! Non mais quelle gourde! T'es maladroite! Combien de temps on t'a dit de faire attention? Dépêche-toi, va éponger, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? C'est de l'eau quoi. Il y a que toi qui es parfaite. Alors Aurélie, cet entretien, ce que j'ai demandé, parce que, comme tu peux le voir, ces 3 derniers mois, tes résultats ont chuté. Cette année, je t'ai accompagnée. Il y a 3 mois, on a revu les points importants ensemble. Il y a 2 mois, on avait fait vraiment la liste de tes priorités. Après, tu m'avais dit que tu voulais que je te laisse libre. Donc, je t'ai laissé libre, mais on ne voit pas de résultats. Tu sais que la période elle est difficile. Je te vois courir partout. Tu es souvent à la machine à café. Enfin, ça ta définition de l'efficacité? Franchement, je sais pas ce que je vais faire de toi. Ouh là là, journée difficile pour Aurélie. Déjà, le départ de la maison était mouvementé et l'entretien s'est pas super bien passé. Pensez-vous qu'Aurélie soit disposée à laisser son ado faire la fête? Et qu'elle soit motivée par son entretien? Je ne pense pas. Alors oui, ses résultats ont baissé, mais est-ce le fait de rappeler ses erreurs qui ont suscité sa coopération? Voyons une autre approche. Le fait de donner une information et mettre l'accent sur les points forts, est-ce que ça peut susciter la coopération? Maman, est-ce que pour mes 16 ans, je pourrais faire une fête à la maison? L'éponge est dans les pieds. Je vais la chercher. Alors cette fête à la maison. Après maman, je comprends que ça te fasse peur. Mais franchement, je nettoierai tout et tu trouveras la maison comme tu l'as laissée. Et en plus, j'invite que des copains que tu connais. T'as déjà le numéro de téléphone de tous leurs parents. Je vais y réfléchir. Oui, je sais que tu es quelqu'un digne de confiance. Tu es compétente, tu ne comptes pas tes heures, tu mets vraiment du lien dans tout le service. Et ton arrivée a été vraiment une source de cohésion de groupe. Tu sais amener les sujets avec un côté ludique. Tu es toujours prête à passer à l'action. Je vois que tes résultats baissent. Comment est-ce que je peux t'accompagner? Tu sais qu'on est une équipe soudée et tu peux compter sur notre support. Nous avons observé plusieurs façons de susciter la coopération. Le premier, un renseignement. L'éponge est dans l'évier. Ou même parfois, un mot suffit. L'éponge. Ensuite, parler dans le langage de l'autre. Steph a argumenté sa fête en prenant en compte les potentielles objections de sa mère. Pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, je vous invite à vous documenter sur la ProcessCom, qui se base sur 6 types de personnalités que nous avons tous en nous, à des degrés différents. Je me suis adressée au persévérant en disant qu'elle était digne de confiance, au rebelle en parlant de la complicité dans le service, l'empathique, tu sais créer du lien, rêveur, l'équipe est ravie de t'accueillir, et le travail-o-man, tu es compétente. Le promoteur, tu es toujours prête à passer à l'action. Pouvoir s'adapter à l'autre demande d'être calme et à l'écoute. Pour coopérer, se sentir en confiance est essentiel. Sentez-vous libre de partager cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Partagez vos astuces qui fonctionnent.
Si vous avez une situation à laquelle vous aimeriez réagir différemment, proposer des alternatives, n'hésitez pas à m'envoyer vos problématiques. Nous verrons quels outils pourraient être adaptés. Vous pouvez m'écrire à astuces@mailo.com. Nous avons vu que notre état interne est très important. Le thème du mois prochain sera la gestion du stress avec l'éclairage de la neurobiologie. Maintenant, à nous de jouer pour la mise en pratique et continuons à prendre soin de nous, de nos proches, en les inspirant au travers d'une communication bienveillante. À bientôt, merci.